Bon alors, bienvenue à tous, jour 2 sur le moteur de la S4. J'ai enfin reçu le support moteur que j'avais commandé. J'ai pris un peu d'avance, j'ai enlevé le volant moteur de la S4, enfin du moteur. Bon, il a un jeu qui est normal hein, pour un volant moteur bimasse, mais par contre, il a vraiment vraiment chauffé, il y a plein de marques, on sent les aspérités à la main et tout. Clairement, vu comment c'est une misère à changer ça, et ben même pas en rêve, je leur mets dessus quoi. Vu comment c'est chiant, c'est mort. Donc tant pis, embrayage poubelle. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'adapter le support. Et puis comme ça, on va pouvoir le mettre dessus. Bah, allez, go. Bon, et bien voilà sur le support moteur. Moteur de S4. On va commencer à le dépouiller. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir le bas moteur. Donc on va voir ce que ça donne. Démonter les turbos, voir s'il y a du jeu ou pas. Je sais pas de quelle phase ils sont, ceux-là, faut que je me renseigne. Et puis bah voilà quoi, ça va avancer gentiment, gentiment. Là ça y est, le projet est parti. C'est parti les gars, c'est parti. Bon, donc premier turbo enlevé. Le collecteur, je sais pas du coup si c'est les bons collecteurs, enfin les bonnes phases. Mais celui-là en tout cas, il a pas l'air fissuré. Donc à voir, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. À voir, à voir. Et pour le turbo, je suis un peu deg parce qu'écoutez, il y a un léger jeu axial. Ça m'ennuie. Donc je pense que je vais le faire réviser. Je vais voir le deuxième, je vais le faire réviser si jamais il y a besoin. Et puis voilà quoi. Allez, je vous fais le démontage de l'autre. Bon, deuxième turbo déposé. Et ben écoutez, il y a exactement le même jeu que sur l'autre.
Donc on va considérer que c'est normal, je pense qu'on va partir là-dessus, on verra bien. Donc voilà, maintenant bah, on va déposer un peu tout ce qui est face avant. Enfin face avant, là j'ai enlevé l'alternateur aussi parce qu'il m'emmerde. Et après je vais déposer le carter, on va voir l'étendue des dégâts vu qu'il est cassé. Bon allez, dépose du carter. Bah déjà je sais que je vais l'avoir dans le HUC avec le carter du V8, enfin du V6 pardon, à 4 de litre 8. C'est que j'ai pas le retour d'huile moi sur le mien. Forcément, je n'ai pas de turbo. Donc il va falloir que je trouve ça. Bon, on démonte. Bon, et eh bien, que dire? Là, c'est un petit peu pas beau, ça. Tube de la pompe à huile qui a pris, quand même, la conduite. À voir, là-dedans, c'est un peu crachou, mais bon, il a pris l'humidité un peu, le machin, donc c'est pas trop étonnant. Bah, on va continuer le démontage. Je vais démonter la pompe à huile, et puis on enlève l'autre carter, et comme ça, on pourra accéder aux vis de bielle, et c'est ça qui m'intéresse. Bon, les gars, il y a un truc où ça a l'air engageant, c'est qu'il n'y a pas de jeu dans les bielles. Il y a du jeu comme ça, mais c'est normal, mais il n'y a pas de jeu. Je démonte, je regarde l'état. Ce qui est engageant aussi, c'est que j'ai vu qu'il n'y avait pas de dépôt, la crépine. Donc bon, je vais démonter celui-là et puis celui-là. Puis voilà, ça nous fera une idée quand même. C'est pas trop dégueu. Il nous fera un carter, quoi. Bon. Première dépose, et ben... Hey, that's pretty good. C'est bien. C'est une mesure, on va dire, normale. Je veux dire, on voit que c'est pas un... Là, il n'y a pas de manque de lubrification. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiétait. Donc, voilà. Je dépose l'autre, je dépose un palier de vilo pour voir. Et puis voilà, quoi. Ce sera pas mal. Je suis content. Ça sent bon, ça. Ça sent bon. Parfait. On les changera quand même, hein, les coussinets, tant qu'on est en bas. Hein. Alors, chose que j'avais pas vue et que je ne savais pas, c'est que pour enlever les paliers de vilebrequin, il y a ici des vis. Donc merci Nathan pour le conseil, enfin pour l'information, parce que je ne savais pas du tout. Donc je dévisse ça, les deux vis de chaque côté là, et puis bah, on regarde ce que ça dit. Bon, donc ici, premier palier de vilebrequin retiré. On peut voir que bah, là justement, ça a commencé à manquer un peu de lubrif. Là les traces, c'est pas des traces normales. Enfin, d'après ce que je sais. Hein. Le vilebrequin n'est pas marqué quoi que ce soit, de toute façon c'est le rôle des coussinets. Que d'amortir quand il y a un manque de lubrif. Donc là ils ont pas pris trop cher, hein. Ça va encore franchement, mais c'est pas un... ça c'est pas une usure normale. Donc je vais démonter les autres pour vérifier dans quel état c'est. De toute façon on partira sur des jeux neufs, que ce soit pour les bielles ou pour le vilebrequin. Mais ça permet de voir un peu l'étendue des dégâts. Bon bah je démonte les autres et puis je regarde. Alors les couffulas sont retirés. Bon bah c'est propre, hein, y a pas de souci. On peut voir la configuration particulière, hein, 3 soupapes d'admission, 2 d'échappement, 30 soupapes. Voilà, voilà. Donc, rien de particulier, on testera les déphaseurs, parce qu'il me semble qu'il y a une méthode de test, je l'ai dans la revue de la revue Audi. Donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. L'ancien cage donc, qui était fissuré ici, j'ai le nouveau, c'est bien le même, donc pas de souci. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de plus pour l'instant? Eh bien rien, je vais juste enlever le compresseur de clim comme ça. On balance, terminé. Foutre un coup de soufflette là-dedans. Remettre les caches, refoutre un coup de soufflette là-dedans parce que c'est dégueulasse. Et puis voilà. Si je vais peut-être continuer à enlever tout ça aussi. Comme ça, voilà. Ce sera bien pour aujourd'hui. Et après, on se retrouve pour faire la liste des pièces qu'il nous faudra. Qu'est-ce qu'ils vont dire encore comme annerie? On est bon, on est sages comme des... Vous êtes pas comme ça, le travail qu'on a accompli quand même. Sans nous, il aurait jamais pu en arriver là. C'est vrai. Donc bah fin du démontage en gros, on s'arrête là. Et puis après bah coup de propre et remontage que de pièces neuves. Neuf. Ah là c'est pas de la pièce neuve, là c'est de la pièce d'occasion. ça va marcher ou pas alors? Certainement pas. Non. Qui c'est qui va te refaire ta R32 toi? Je veux la couleur. Ah non, et on avait nos spoils, hein. No spoil, hein. No spoil, bah si. Non, voilà. Ah, bientôt les R32 là, c'est à lui les R32. Un petit coup de WD-40. Bah oui. De Star Pilot, ça démarre. Là, tout de suite, là non. Star Pilot. Direct. Ouais. Et puis les bobines, mais c'est pas grave. La chaîne, elle demande qu'elle tourne. Bon, bah allez. À bientôt pour la suite avec un nettoyage. Et on fera la liste de ce qu'il faut qu'on commande. Enfin, que je commande parce que... On va pas payer. tu vas pas payer? Non, non. C'est bon. Ok, tant pis, j'aurais essayé. Allez, à la prochaine.